mené mes hommes à la victoire. Cette guerre est sacrée pour le peuple russe. Je vais les briser. Et ils vont ramper. Et vous attendez mes ordres, c'est clair? Oui, capitaine. Bien. Restez couchés. Gardez la tête baissée. On reste calme. Restez bien couchés. Gardez la tête baissée. Restez calme. Est-ce qu'ils le débordent? Ouais, ils ont dépassé le QG. Tu veux une cigarette? Il m'en reste. Et les munitions? On a ce qu'ils nous restent. Et les renforts? Personne. C'est encore tôt pour notre gueule, hein. Ils arrivent. Bon, allez, on se voit tout à l'heure. On s'y est prêt. Gardez la tête baissée. Ne tirez pas encore. Ne tirez pas. Panzer devant à 11h. On se tient prêt. Feu! Bonjour, messieurs. Vous n'avez pas progressé tant que ça. Soyez plus patient. De combien d'hommes disposez-vous pour chaque vague d'assaut? Disons approximativement... Suffisamment. Si vous m'aviez montré les plans de l'attaque, j'aurais peut-être pu vous conseiller. Et moi, je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Faites votre job d'observateur en observant. Camarade Petrov? Camarade Major, vous appréciez le spectacle? Absolument, oui. Je me renseignais justement sur les plans. Notre camarade ici présent a proposé que l'on avance en paradant comme au Kremlin et que l'on attaque de front et de face sans autre souci de stratégie. Admirons et voyons ce qu'en pensent nos hommes. Excellent. Mes aînés ont utilisé le même plan. La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était en 1918. Qu'est-ce qu'il fait, notre canon Tichard? Ils ont plus de munitions! Et nous, il nous reste des mines ou pas? Non, capitaine! On n'a que des grenades! On est court en munitions, capitaine! Donnez-moi les grenades! Vite, donnez-les-moi! Allez, mon gars, passe! Anton! Anton! Quoi? Je vais aller m'occuper de ce tank! Ok! Ah!
Camarade Major, peut-être voudriez-vous voir notre plan de bataille pour demain. Mais fort volontiers. C'est très aimable à vous. Merci. C'est naturel. Sergueï, Elisiuda. Emmène le camarade Major au quartier général et prends soin de lui faire servir un repas chaud, compris? Tu diras au lieutenant Ivanov de lui montrer les plans de la bataille de demain. Compris, camarade colonel! Occupe-le toute la journée. Ça ne vous semble pas risqué de montrer à l'anglais notre stratégie? Les Polonais sont là. Oh! Laissons-le profiter de son repas. J'espère qu'il aime la viande bien rouge. Tant que tu seras pas un héros mort pour la patrie, tu feras le malin, hein? M'en parle pas. Regroupe les gars ensemble, avant la prochaine charge. Prends son arme. Tu sais qu'ils vont nous réattaquer bientôt? Tu le sais, pas vrai? Il en restera plus. Laisse-moi m'en occuper. Je vais voir ce qui se passe avec les artilleurs. Ça te dit d'aller voir leur ligne après? Juste tous les deux? Une jolie balade en forêt. Ça marche, frangin. Est-ce qu'ils vont revenir encore, Capitaine? T'as l'âge de fumer des clopes? Non, si, si, mais je fume pas, Capitaine. C'est le jour idéal pour commencer. Comment tu t'appelles? Émile, capitaine. Eh bien oui, Émile. On va encore se battre. Regarde-moi. Ne gâche pas tes munitions sur leurs fantassins. On a des mitrailleuses et des canons pour ça.
Écoute-moi bien. Cette zone ici est plutôt plane. Alors t'auras pas de mal à ajuster ton tir, crois-moi. Est-ce que tu connais la ligne de faiblesse des tanks de l'ennemi? Entre la chenille et la coque? Ouais, exactement. La balle traverse. Et tu tues l'équipage. On a presque plus de munitions. Alors quand tu tires, c'est pour tuer. Compris? Oui, capitaine. Je ferai de mon mieux. Allez. Venez! Venez! Où sont les plans? Dans le bureau. Lieutenant? Le camarade colonel veut qu'on occupe l'anglais pendant toute l'après-midi. Je vais attendre dehors. Juste une seconde, commandant-major. Allons-y. C'est bien ça que vous vouliez voir. En effet. Merci bien. Pensez-vous que vous puissiez me fournir un chauffeur qui parlerait l'anglais? Bien sûr, je peux vous trouver quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils font là? J'en sais rien. Où se trouve votre officier, soldat? De ce côté, là-bas. Où est le capitaine Muller? Qu'il demande, s'il vous plaît. C'est moi. Où est-il? Je l'ai pas vu depuis un bon moment. C'est votre officier supérieur, je me trompe? Ouais. En tout cas, c'était vrai jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ne jouez pas à ça avec moi, lieutenant. Allez voir là-bas, peut-être. Allez donc faire un tour à l'hôpital. Il y a quelques survivants là-bas. Il y sera peut-être. Très bien. Merci du conseil. Mais s'il revient ici pendant mon absence, gardez-le pour moi, lieutenant. Ordure. On fait quoi, lieutenant? Je n'accepterai pas. Nous devons leur tenir tête. Il y a un problème, cher monsieur Zydrowski. Cette situation est inacceptable, camarade. De quelle situation vous parlez? Nous sommes enfermés ici, dans cette base. Nous n'avons même pas le droit d'appeler notre ministre à Varsovie. C'est une honte. Ce serait beaucoup trop risqué pour vous. Je vous rappelle que vous êtes en sécurité ici. Quand pourrons-nous? Aujourd'hui.
Vous serez tous réunis avec les membres de votre gouvernement. Est-ce que cela vous convient? Je crois. Oui. Excellent. Oui. Monsieur. Oui. Nous n'avons toujours pas revu nos deux collègues depuis des jours. Depuis qu'ils sont à l'hôpital. Nous nous sommes occupés d'eux. Vous serez bientôt tous réunis. Vous avez tout préparé? Oui, tout est prêt. Ils sont tous rassemblés près du dépôt. Et pour le major? Un de mes officiers s'en occupe. Bon. Qu'il l'occupe bien, le temps qu'on s'occupe d'eux. Eh oh, venez! Venez! Qui sont ces personnes? On y va, nous sommes en retard. Par ici! Tu l'as laissé partir! Camarade colonel, je... Arrêtez le major! Ramenez-moi l'anglais! Tu te fous de moi, Sergueï? Viens avec moi! Iket! Tag Iket! Ils vont revenir te chercher, tu le sais, ça. Ouais, je sais bien. Mais on a encore du boulot ici. Il faut qu'on sache si les Russes attaqueront cette nuit. Et qu'est-ce qu'on va faire pour la Gestapo? Je m'en occuperai quand je rentrerai. Frédéric, il faut qu'on s'en aille. Quelle chance! Dis-leur. Dis-leur que je suis allé me faire des Russes s'ils reviennent. Bonne chance, Frangin. Allons voir où ils vont. Allez, buvez, buvez! Allez, allez-y, passez aux autres! Vous en voulez, vous? Allez! Ah oui, allez-y, prenez une gorgée! Ah, il fait soif quand on a froid! Tenez, buvez! Je la passe. Ouais. Tiens. Alors, il se passe quoi? Range-moi ça! Pas tout de suite. Essayons de savoir qui sont ces gens. Des civils? Des soldats?
J'en sais rien. Bordel! Tu le vois? Il est par là! Oh, le sale enfoiré! Vous, gardez la voiture! Messieurs, écoutez-moi. Messieurs, s'il vous plaît, un instant. J'ai reçu un appel de Moscou vous concernant. Que vous faites là? Le major anglais s'est enfui, mais sa jeep est ici. Quoi? Retrouvez-le-moi! Remuez-vous! Mais... Trouvez l'anglais, ou sinon, plus vite! J'aimerais bien pouvoir rentrer à la maison. Ma mère est mourante. C'est moche. On va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Aucune idée. Tirons-nous de là. Allez, viens. Viens. Des Allemands! Des Allemands! Promène, Major. L'hôpital de campagne ne l'a pas vu depuis des semaines. Ça prouve qu'il a une santé en béton. Je vous ai déjà prévenu de ne pas jouer à ça. Vous ne m'impressionnez pas. Ça fait 4 ans que je me bats et j'ai peur de mourir tous les jours. Donc ? Je ne me répéterai pas. Très bien. Il est allé se faire du russe. Encore une foutaise. On m'a parlé d'une unité de traîtres. J'ai l'impression de l'avoir trouvée. Frangin. Tuez-en un. Arrêtez ça! Je vous ai dit où il était! À gauche. Je
j'espère que votre frère le valait. Allons donc, le rat est finalement sorti de son trou. Frère Muller. Ça ne va pas, camarade Major? On vous a fait du mal? Pas à moi. Mais je viens de voir vos hommes assassiner tous les membres du gouvernement polonais. Vous m'auriez fait subir ce traitement que je n'aurais pas été aussi furieux! Ce que vous m'apprenez me choque terriblement, camarade Major. Mais asseyez-vous. Le gouvernement de Sa Majesté ne pourra tolérer de tels comportements. Et sachez que je... Il serait vraiment dommage que votre gouvernement l'apprenne. Enfer. Bienvenue en enfer, capitaine. Je suis là depuis longtemps. C'est dur à dire. Moi, j'ai été capturé avant-hier et vous étiez déjà dans cette prison. Disons 3 ou 4 jours, alors. Minimum. Vous avez parlé, enfin, balbutié. Quoi ? J'en sais rien. On aurait dit une prière ou des serments. C'est qui ? Un rosbif. Il reste toujours assis sans rien dire. Qu'est-ce qu'il fout ici ? Il ne nous l'a pas dit. De toute façon, les seuls mots d'anglais que je connais, c'est la chanson Chattanooga Choo Choo. Si c'est comme ça qu'ils traitent leurs amis, qu'est-ce que ça va? Espèce de salaud! Tu vois pas ce qu'ils font, tes amis, le rosbif? Il passera pas la nuit. Ici, mourir est une chance. Toi, là! Lève-toi. Lève-toi. Criminel. Non, ça se voit dans tes yeux. T'es un voleur. Ou peut-être t'es un traître. Pourquoi vos supérieurs sont venus vous interroger? J'ai perdu quelque chose qu'ils m'ont confié. Qu'est-ce que c'était? Qu'avez-vous perdu? J'ai perdu ma baïonnette. Dans le bide d'un gros port d'officier russe.
Je crois que ce monsieur a un goût prononcé pour les secrets. Debout. Allez. Des secrets. Parlons un peu de secrets. Quelqu'un? Toi, peut-être? Et pourquoi tu ne dirais pas ton petit secret? Si personne ne veut me répondre, autant que je reste seul. Est-ce qu'il me reste une balle pour faire encore un trou? Emmenez-le. Viens là, allez, debout. Ramenez-le dans sa cellule. Avec plaisir. Tu te souviens de moi? Lève-toi! Lève-toi!
Camarades, tout est prêt et Moscou est informé de notre arrivée. Ivanov, assure-toi que tes hommes n'ont pas bu de vodka. Et ça, c'est clair. Je t'en dirai pour responsable. Oui, monsieur. Je veillerai personnellement sur mes hommes. Et tu répondras d'eux. Bien, monsieur. Alors, de quoi allons-nous pouvoir parler ? Debout. Debout. Ah oh. Allez, avance. Rappelez-les, vite, allez! Je vous arrache le cœur si vous ne les trouvez pas! Fichez! Combien sont-ils? Trois. Peut-être quatre. Et un officier. Oh, les salauds. Le chargeur est vide. Donnez-le-moi. Donnez-moi ces balles, Nao! J'en ai gardé une. Écoutez, je suis désolé, je vais les trouver. Est-ce que vous avez la moindre idée des conséquences de votre incapacité ? Monsieur, je... Monsieur, vous quoi ? J'écoute. Vous êtes stupide. La guerre est loin d'être terminée, camarade. Et la sécurité de notre patrie n'est pas assurée. Le camarade Staline ne fait pas confiance aux alliés. Avec son aide, nous avons peut-être des chances de devenir les nouveaux maîtres du monde libre. Vous comprenez ce que je dis ? Karasho. Si les alliés apprennent nos motivations et notre plan, ils se joindront aux Allemands. Vous le comprenez, ça aussi ? Est-ce que c'est lui le responsable du transport ? Vous êtes dégradé, camarade. L'espion anglais. Il sait tout. Tuez-le. Ou vous irez rejoindre votre famille dans un goulag de Sibérie. Vous savez où on est ? Si seulement il y avait un trou dans ces nuages, on pourrait voir les étoiles et s'orienter. Qu'est-ce que c'est ?
Ils sont passés ici. Ils s'enfoncent vers la vallée. Tu passes devant. On se trompe de chemin. Le nord, c'est par là. Parce que vous lisez dans les arbres, vous. On vous apprend pas ça dans vos bureaux, monsieur le fonctionnaire. Quoi donc? Que la mousse pousse vers le nord, c'est ça? Parce que ce tronc en a sur tous les côtés, hein? Pourriture d'arbre. Je déteste ce pays. Il fallait peut-être y penser avant de l'envahir. On peut pas rester à découvert comme ça. On peut nous voir à des kilomètres. Qui vous en empêche? Allez-y, perdez-vous dans les bois. Vous voulez peut-être des cailloux ou des miettes de pain, c'est ça? Je vous souhaite bonne chance pour vous défendre toute seule. Aucun souci, l'ami. Je sais m'occuper de moi. C'est pour ça que je vous ai déjà sauvé la vie deux fois aujourd'hui. Comment je sais que vous ne comptez pas me tuer? Pendant mon sommeil. Vous allez devoir me faire confiance. Même pas une seconde. Par ici ! Andrew. Quoi? Je m'appelle Andrew. Klaus. Vous parlez un très bon anglais. Ouais, il le vaudrait pas mal non plus. Ah. Pourquoi les Russes essaient de vous tuer? Les Russes sont des porcs. Après, je suis convaincu. J'ai oublié que ça fait 4 ans que je les combats. Ils ne vous ont pas tué, vous, contrairement aux autres. Vos camarades de cellule, ils les ont tous exécutés. Mais pas vous. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pourquoi ils sont après vous? Vous n'avez pas tué assez de civils, peut-être bien? Ou peut-être parce que vous avez accepté de travailler pour eux. Je ne connais rien de pire qu'un traître. Moi, je connais mes ennemis. J'ai des balles. Ah!
À gauche, derrière vous. Vous n'avez rien? Je vais bien. Vous n'aideriez pas un vieil ami dans le besoin? Vous avez dit quoi? J'ai dit que je sais reconnaître quelqu'un qui est passé de l'Est à l'Ouest. D'abord, ils s'en sont pris aux communistes, puis aux juifs et aux francs-maçons. Ils vous ont tous arrêté? Non, pas au début. Seulement, nous ne pouvions plus nous réunir à nouveau. Certaines loges fermèrent, furent abandonnées. J'étais déjà dans l'armée. Alors j'ai brûlé tout de suite ma carte de membre. Et j'ai mangé les cendres. Nous avons appris ça. Et qu'ils ont envoyé aussi beaucoup de francs-maçons dans les camps. Mon père était franc-maçon. Vraiment? Mais je n'ai jamais découvert son secret. Vous les voyez? Non! Vous partez à droite! Et moi à gauche! Ok! Allez! C'était un cadeau de mon père. Ah. Vous êtes blessé? Non, c'est rien. Ma foi, ce n'est peut-être rien, mais il faut arrêter le segment. Tenez-la un instant. L'ordre à travers le chaos. Votre père savait que j'aurais besoin de vous un jour. C'est bon. Il doit y avoir une route. Si on vole un camion. Ils nous prendront au premier barrage. Vous ne m'avez pas dit ce que vous faites ici? Je suis un observateur militaire. C'est pas un crime. C'est ce que je finis par me demander. Je ne sais plus. Vous ne savez pas mentir. C'était qui? Staline a envoyé le gouvernement polonais en exil, et il les a tués. Il prévoit à terme d'occuper la Pologne, et aussi l'Allemagne, après la guerre. Combien de temps? De façon permanente. Et les Anglais feront quoi?
Eh bien, nous avons promis d'aider la Pologne. Si on apprend cette histoire, nous les empêcherons d'occuper le reste de l'Europe. Vous devez leur dire. C'était mon intention, mais... Il faut qu'on vous sorte de là. Promettez-moi de ne pas me faire tuer. Je ferai de mon mieux. Quel sentiment de sécurité. D'accord. Dites-moi ce que vous savez sur le front russe. Où sont leurs lignes? Elles sont dans le coin, je pense. Non, non, je veux dire où en sont-elles dans leur invasion de l'Allemagne. Ils ont passé la frontière il y a 3 jours. Il est impératif que je transmette mon message au QG des Alliés avant que les Russes ne prennent Berlin. Allons-y. Blessé? Oui, je crois. Vous n'êtes pas allemand? Non, je suis anglais. Mais vous êtes allemand? Capitaine Müller. Et moi, Andrew. Anna. Il faut qu'on parte maintenant. Sûrement les amis de ces salauds russes. Il faut qu'on y aille. Et elle? On peut pas la laisser là. Elle ne fera que nous ralentir. Écoutez, c'est sa vie contre combien d'autres? J'ai déjà fait ce genre de choix. Et vous aussi. Nous partons. Où ça? À l'ouest. Vous allez à l'est, je crois. Que voulez-vous que je fasse d'un pistolet? Quelqu'un pourra vous faire encore du mal. Je viens avec vous. Vous n'êtes pas polonaise?
Vous y êtes passé, non? Oui. Alors vous avez vu. Il n'y a plus rien là-bas pour moi. Tout est mort. Je ne suis pas très sûr. De Pologne, je pense. Oh. En fait, je voulais dire, d'où êtes-vous? En Angleterre? Oh, désolé. Oxford. Oxford? Vous connaissez? J'ai vécu et j'ai travaillé à Shelton en 1937. Shelton, je connais bien. Mais pourquoi êtes-vous revenu en Allemagne? Je suis polonaise, je ne suis pas allemande, Andrew. J'étais infirmière dans un grand hôpital de Varsovie quand les Allemands sont venus. Je vois. Vous en êtes tiré? J'ai survécu. Et quand les Russes ont envahi la Pologne, nous avons dû choisir entre les Russes ou les Allemands. J'ai choisi de rester infirmière. En route. Qu'est-ce que vous faites sur la ligne de front? La ligne de front? Elle était à plus de 30 km d'ici. Ah, j'en avais aucune idée. Les Russes ont commencé à arrêter tous mes amis à Varsovie. Alors nous avons fui, avec le reste de l'armée allemande. Capitaine, j'ai beaucoup d'hommes blessés. Emmenez-moi. On n'a pas de temps pour ça. Voyons, ils sont blessés. Vous... On ne peut pas les laisser aux Russes. Anna, on n'a pas le temps. Mais quel genre de soldat êtes-vous? Ces hommes ont besoin d'aide. Allons les voir. Ne vous inquiétez pas, on va faire vite, mais ils ont besoin de notre aide. Andrew! Venez m'aider vite! Pitié! Nous devons trouver un hôpital de campagne avant que les Russes arrivent. Sinon, ils vont les achever. D'accord. Mettons-les dans le camion. Une minute. D'abord, vous m'aidez. Mon Dieu, mais c'était qu'un enfant. Il va se vider de son sang si on ne l'aide pas. Je vais voir ce que je peux trouver dans le camion. C'est moche. Je suis là, je te ramène. J'ai essayé.
J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai presque... Tu as fait ce qu'il fallait, Emile. Tu as fait ton devoir. Je vais te ramener à ta mère. Tu rentres chez ta mère. Je vais... Maman. Dieu de miséricorde, ce n'était pas sa place. Klaus. Oui, je sais, je sais. Mettons les autres dans le camion. D'accord. Capitaine, vous êtes le premier officier que je vois depuis une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont nos ordres? Mes ordres. Mes ordres. Sergent, les Russes arrivent par millions. Et ni vous ni moi ne pourrons jamais les stopper. Vos ordres, sergent, sont de réunir vos hommes et de rentrer chez vous. Sergent, sauvez vos hommes tant que c'est encore possible. Heil Hitler! Très bien. Merci, capitaine. Il faut qu'on parte. Docteur. Oui. J'ai des blessés à l'arrière. Je n'ai plus de place pour eux. Ils ont besoin de vous. Vous êtes le dernier espoir de tous ces hommes. Très bien. Faites-les venir. Faites-les venir. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes à court de tout. Ces hommes vont mourir. Ils mourront ici, ou dans votre camion. Tout ce que j'ai à offrir, c'est un endroit où mourir en paix. En tout cas, jusqu'à ce que les Russes nous le prennent. On a une place devant. Venez avec nous. Non, ma place est ici. Je vous remercie, capitaine.
Et même si je pouvais partir, je ne le ferais pas. Les Russes ont encerclé Berlin. Tout est perdu. Je peux savoir ce que vous faites? Occupez-vous de vos blessés, Fraulein. Ça ne vous regarde pas. Si, ça me regarde. C'est un de mes blessés, justement. Cet homme est un déserteur. Un lâche. C'est un soldat, et il a besoin de soins médicaux. Cet homme est un traître. Ah! Non! Non! Vous êtes un monstre! Non! C'est le devoir de chaque homme en bonne santé de prendre les armes, de défendre le Reich. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de faire quelque chose de noble. Toi, sors du rang. Quelque chose qui rendra vos familles fières de vous. Qui fera de vous des héros. Pour votre patrie. Toi là, arrête! Cet homme n'est pas blessé. Ton unité? Réponds. Quelle est ton unité? Où est ton arme? Ton carnet militaire? Cet homme est sous mon commandement. Maintenant, il est sous le mien. Par ici! Tuez-le! Je vous arrête, capitaine. Maintenant, c'est moi qui vais faire quelque chose de noble pour ma patrie. Vous serez exécuté pour ça. Quelque chose dont mes parents seront fiers. Je vous donne le choix. Soit je vous tue, là où vous êtes. Ou je vous laisse l'opportunité de courir et jouer une balle dans le dos. Hmm? Alors ? Je dis, courez ! Il faut qu'on parte maintenant. Vite ! Il faut prendre les blessés ! Vite ! Vous pouvez marcher ? Dépêchez-vous ! Non ! On peut l'aider ! Emmenez-le à l'abri. Je m'occupe d'Anna. Emmenez-le ! Lève-toi ! Et qu'il n'a plus de raison de se battre, alors il devient calme et serein. Je dois les aider.
Le fait de se contenir devant les hommes leur donne de la force. L'apparence n'arrête pas les saignements. Mais c'est tout ce qu'il nous reste à donner à ces personnes. Un mensonge. L'espoir. Après que les Américains aient annoncé s'être entretenus avec leurs alliés russes, coupant effectivement l'Allemagne en deux, la radio allemande, quant à elle, a annoncé le début des affrontements pour le contrôle de la ville de Berlin. Selon certaines sources, Hitler serait cloîtré dans le Capitole. À Londres, le roi a rencontré le Premier ministre et le ministre de la guerre. De cette réunion, est apparu qu'il était absolument indispensable. Couper les cordes. Pourquoi ? Enfin, on ne peut pas les laisser comme ça, voyons. Et pourquoi pas ? Eux, ils s'en foutent pas mal. Ils sont même mieux là où ils sont. C'était des proies faciles ici. Quelle bande d'idiots! Ils avaient peur. Des idiots. Ils se sont regroupés ensemble, c'est humain. De toute façon, ils sont tous morts. Ça suffit, Anna. Nous devons avancer maintenant. Klaus, je vais partir en éclaireur. Assurez-vous qu'elle vienne avec nous. Ce ne sont que des gosses et des grands-pères. Tu brandis ? Oh ! Il est temps de bouger. Thank you.
étiez pressé. Je suis désolé. Merci. Regardez là-bas. Vous croyez que c'est sûr ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ça va ? On ne doit pas être loin de la ligne de front. La question, c'est... de quel côté sommes-nous ? Allemand. C'est un MP40. Ça, ça n'a rien de russe. Non. C'est un Thompson. Américain. Excellent. Oh. Mais ils vont vous mettre dans un camp ? Peut-être, ouais. Mais au choix, je prends les Américains. Ce sont les seuls qui n'ont pas essayé de me tuer. C'est réconfortant. Hé, quand on sera là-bas, vous me laisserez leur parler, hein ? C'était bien mon intention. Sergent, ramenez-moi les survivants. Yankees ! Par ici ! Qu'est-ce que vous faites ? Ça va aller, ça va aller. Je suis un officier anglais, Major Andrew Pierman, du régiment de parachutistes. Tirez pas ! C'est peut-être une ruse nazie. Que faites-vous sur mon champ de bataille, Major ? Déguisé comme ça ? C'est une longue histoire, capitaine. Et je serais ravi de vous la raconter autour d'un bon verre. Mais pour l'instant, j'ai un message d'une importance capitale à remettre au maréchal Montgomery, à l'état-major des Alliés. C'est bon, Major. Gardez les mains en l'air et avancez. Tout va bien. Ah ! Halte au feu ! Qui a tiré, bordel ? Sergent, à droite, sniper sous les arbres! Lâche ton arme tout de suite! Lâche-la! Baissez vos armes. Seule ordure.
Est-ce que c'est tout, capitaine? Oui. Merci pour votre rapport. Sergent? Mon général? Veillez à ce que le capitaine mange et prenne une bonne douche. Et tout ce qu'il voudra. Oui, général. Capitaine? Eh bien, voilà qui change pas mal les choses. J'appelle le Premier ministre. Juste quand cette foutue guerre semblait toucher à sa fin. Nous allons taire tout ça, Bernard. Je vous demande pardon. On oublie tout ça. Écoutez, Jack, nous avons fait une promesse aux Polonais. Je sais. Et le monde est en guerre depuis 6 ans à cause de cette foutue promesse. Et au cas où vous l'auriez oublié, nous avons encore les Japonais à combattre. Nous ne pouvons pas nous permettre une guerre contre les Russes. Je crois que nos deux pays ont mérité la paix, vous ne trouvez pas? Enterrons ça. Très bien.